J'ai démarré donc en amateur, donc avec 3 rounds de 2 minutes. Donc j'ai fait mes combats. Une fois que j'ai eu mes 7 victoires, parce qu'il faut 7 victoires pour passer à l'étape au-dessus, quoi. Je suis passé semi-professionnel. Donc semi-professionnel, ça veut dire qu'on enlève le casque, on passe à un 5 rounds de 2 minutes. Donc on commence à élaborer du coup des stratégies de combat, quoi. J'ai gagné 14 combats en semi-pro en fait. Donc une fois que j'ai gagné, j'ai pu passer professionnel. Et de là, en fait, vu le palmarès que j'avais eu avant, tout ça, j'ai pu prétendre au titre donc, de champion de France professionnel, par rapport donc, à tous mes titres amateurs, tout ça, quoi. Champion de France professionnel, donc en 7 rounds de 2 minutes. Ensuite, après champion de France, donc passer en champion d'Europe, donc en 10 rounds de 2 minutes. Et ensuite, champion du monde, donc je vous rappelle, c'était un peu avant Noël, donc mon entraîneur m'a appelé. Il m'a dit, bon, j'ai un cadeau de Noël pour toi, quoi. Et donc voilà, c'est ça qui m'a annoncé que je pouvais faire le championnat du monde, quoi. Et en plus, sur l'issue du gâteau, c'est à Muret, quoi. C'est-à-dire qu'on a eu la chance de pouvoir l'organiser en fait à domicile. Donc c'est-à-dire que j'ai pu boxer devant toute ma famille, mes amis, mes proches, quoi. Donc ça a été une grosse préparation. Donc bien sûr, plan physique, cardio, tout ça. Donc grosse préparation donc, avec Alain toujours, aussi donc avec Eric d'Espace Forme. Et donc ensuite est arrivé le jour J du combat, quoi. Donc là voilà, donc 1500 personnes à la salle, tout le monde, enfin beaucoup de monde de Muret du coup, donc qui m'ont vu grandir certains, ma famille, mais enfin voilà, tous mes proches, tout ça quoi. Toujours concentré sur le combat, parce que voilà, il ne faut pas perdre de vue l'objectif, mais quand même, quand on entend la Marseillaise qui est chantée quoi, pour nous, avec tout le public qui la chante en même temps, on a des frissons quand même et on se dit, ça y est quoi, c'est pour nous, ça nous met un coup de boost quoi. On se dit, allez, on y va, là, on part à la guerre quoi, c'est l'image quoi, un peu quoi. Le combat qui démarre, et là donc fin des 12 rounds, victoire au point, l'arbitre donc qui me lève le bras, le public qui s'enflamme, donc je serre mon adversaire, je prends Alain dans mes bras de suite quoi. Et ensuite donc c'est le maire de Muret qui m'a remis la ceinture quoi et qui me l'a mis autour à taille. Voilà quoi.